beaucoup de médias en ligne, parler, écrit, télévisé. Je dis à nous réunir dans notre fédération entre les deux nord, qui dénonce un message à tous les médias pour une conférence de presse dans le cadre du 4e anniversaire. Avant de continuer, je passe à nos présidents de la fédération pour nous avoir plus de détails. Bon, je dis à Ibobo. Et moi-même, c'est Eddy Toussaint, mon gars Eddy Toussaint, que tout le monde connaît. Et entraide Vaudou Nord, Jacques et lui-même, nous avons fait entraide, c'est pour nous échanger, pour nous voir comment nous avons marché avec Vaudou Nord dans le département. Pour nous échanger visage Vaudou Nord. Jacques et nous te connaît, nous avons maltraité. Pas garder bien Vaudou Nord. Nous disons, faut nous faire un jour pour nous voir ce que nous avons fait, votre mot, votre visage. Et c'est dans ce que nous faisons nous-mêmes, nous avons décidé de créer, à qui court, à qui force nous, malgré les problèmes, pour nous mettre en tête campée le 20 août 2020, 26 août 2020, qui fait année, ça fait nous 4 ans. Donc, 4 ans nous passer en pile. Il y a 4 ans qui ont un peu de problèmes parce qu'il y a des difficultés de pays. Mais quand même, nous existons. Et nous là, pour nous faire belle bagaille, nous là, pour nous faire votre vraiment. Pour la direction de deux points, dans le département, nous travaillons pour ça. Et entre les deux points, nous avons constitué plus de 16 lacunes des sociétés. Nous avons passé le secrétaire général là qui va parler de détails qui va gagner pour la période de 4 ans, pour nous faire 4 ans d'existence noire. Aïe tout le monde, aïe moi toute la cour, tout secrétaire roi, toute société à la vente de la DLD. Alors c'est un plaisir pour nous en tant que maman très jolie pour nous inviter nous dans l'ensemble d'activités qui a marqué le 4e printemps Fédération ça. Alors, pour nous commencer directement, ça ne va pas faire trop rapide. Première activité à faire le 21 août 2024. Son activité qui est vraiment importante parce que c'est une cérémonie qui a fait dans les mois ancêtres, une cérémonie agréée, une cérémonie honorée aux ancêtres. La fête Balan, dans la Grèce, dans la société d'Equipao. C'est dans la société pionnière, qui est en Bidon, en très fort nord, à 8h, à Souhait. Deuxième grande activité, c'est le 22 août 2024, la fête dans la société type attache qui trouve le Vaudreuil, Riel Ravine Sèche. C'est une cérémonie de grâce que nous invitons tout le monde encore à la ronde de l'OD pour venir participer ensemble avec nous, médias, population générale, pour être capable de présenter la fête à 5h dans l'après-midi. Troisième grande activité, c'est une activité qui concerne tout le monde encore en général. Quelle que soit la religion qu'on gagne, quelle que soit la couleur, quelle que soit le monde qu'on gagne, pour venir participer avec nous le 24 d'août 2024, dans le colloque, exposition manger à artisanat qu'on fait dans le local Grand Prison, ancien Grand Prison pour 21h. Il a commencé de 9h le matin et il a fini à 5h l'après-midi. Donc, ce n'est pas la journée qu'on gagne en plein débat, si vous voulez. Par exemple, deux thèmes qui sont vraiment importants. C'est Vaudou à santé, qui j'en Vaudou nous a encore la santé dans toute dimension. Et le deuxième terme, c'est Vaudou à développement pays d'Haïti. Qui rôle Vaudou jouer dans le développement pays d'Haïti? Et là-dedans, il y a des représentants de tout secteur. Ensuite, pour nous finir, quatrième de l'activité, c'est le 25 août 2024. C'est cérémonie officielle entre Cabien, deux parties là-dedans, une partie culturelle et une partie spirituelle. La fête la plus secrète qui trouve le petit cap sur le Glorial à partir de 9h dans le matin. Nous disons tout le monde à la ronde Banelode, bienvenue dans l'activité Sahara qui a marqué 4e printemps en trait pour le Nord. Merci. Et pour le colloque là, à bien y avoir une exposition. Après l'exposition qui a fait là-dedans, côté que chaque lacou qui fait partie de l'entrée a pu présenter une spécialité que vous avez. Et à bien l'autre artisan qui a pensé avec nous. Pour venir présenter notre
et produit agriculture ou bien artisanat. Bah connaît c'est quelque chose. Les gens dans chaque secteur et gagner on dit yon wa. Est-ce que nous fait appel avec quoi au 155 club pour que nous réaliser activité ça ou nous prévoir faire? Alors si tu as répondu question ça, est-ce que nous fait appel avec quoi au 155 club? Pas bien que Royaume Vodou d'Haïti, c'est une organisation à part entière. Pas bien que dans Vodou d'Haïti, nous avons plusieurs grandes organisations. Nous avons la KNVA, nous avons Anjac, nous avons Royaume Vodou d'Haïti, même si nous ne pouvons pas ici. Nous avons entré Vodou Nord qui valorise Vodou que nous jouons dans le Nord. Rite que nous jouons dans le Nord, qui presque disparaît, c'est même que nous avons donc, entre Vodou Nord, c'est une association, mais c'est une fédération, pardon, qui à part entière de ni KNVA, ni Royaume Vodou d'Haïti, ni Anjac. Nous parlons de rythme qui a perdu. Et tant qu'il s'appelle, qu'il y a quelques rythmes qui a perdu. Par exemple, le rythme yi. Le rythme yi, c'est un rythme tambour que nous avons joint que grand-parents, dans l'ancien arbre. Donc, nous avons pour la coupe de réal, pour la coupe de pêche, qui est la piste et la coupe à papier de la rade. C'est le rythme saoua que nous avons utilisé dans notre temps. Donc, il y a un rythme radar dans l'ordre évidemment. C'est des rythmes qui viennent à perdre, qui a perdu au fil du temps parce que vous voyez que tout le monde dans toute cérémonie vous nous c'est un seul rythme jouer ce soir jouer Pedro. Maintenant là, il y a une concentration de plusieurs rythmes. Et c'est rythme savoir que nous tournons ensemble. Ancien chanter grand monde dans notre époque chanté. Ancien cérémonie dans notre monde. C'est ça où la fête. Vous estimez que vous êtes plus beau? Pas estimer que vous êtes bon, mais par contre, vous pouvez faire appel à vous-même pour renforcer vos droits, pour renforcer cette spiritualité. Mais là, nous considérons qu'il y a un paquet de paroles que la population a dit et que c'est fait pour une peur, vous êtes aussi le gaou. Mais nous-mêmes, moi, qui viens de dire, on a prôné une autre forme de vaudou. Est-ce qu'il y a plusieurs types de vaudou directement? Il y a le vaudou. Mais par contre, discrimination. Avec stigmatisation que vous avez sur vos doigts. Je ne parle pas de personnaliser le monde, mais par contre, nous connaissons très bien vos doigts, c'est culture. Donc, en tant que culture, il y a une spiritualité là-dedans, on va dire culte là-dedans, et c'est lui-même que nous-mêmes l'avons valorisé. Et c'est par manque de formation de parti, ça qui fait que il y a diabolisé vos doigts. Vous mettez vieilles paroles sur vos doigts, et c'est ça même la combat. N'a changé l'image que vous avez projetée sur vous. On espère que vous comprenez. On va continuer avec une série de questions. C'est une question toujours. Donc, maintenant, la dernière question que vous avez posée, et l'activité sérieuse en train de réaliser, c'est comment nous voyons la religion, par exemple, l'église, et que nous avons parlé de vous, et comment nous voyons l'école. Et que vous pensez que les élèves qui ont contribué pour qu'on ait ça pour moi. Et je pense que je me dis, si vous ne pensez pas perdu l'originalité que nous avons parlé là, que par notre équité, comment nous comptez contribuer avec l'école, spécialement et l'église, et tout qui est capable d'aider pays, parce que nous parlons de pays. Ok, c'est ça que fait nous dans ce colloque là. Nous disons tout le monde capable de chita attendre. Le sujet que nous avons traité, ce n'est pas le sujet qui parle de magie. C'est le sujet qui parle de comment nous remontons et vous devez être capable de participer dans le développement du pays. Nous avons bien représenté le ministère de la Culture, nous avons bien représenté le ministère de la Culture, nous avons bien représenté le ministère de la qui pour parler de passer à patrimoine, nous avons bien représenté la justice, nous avons bien représenté la police, avec un paquet d'autres représentants des secteurs différents. C'est que l'éducation à plateau. Capable pour parler comment, qui ça vous doit et comment vous capable d'impliquer. Parce que vous doit aller dans toute bagaille qui est dans la vie sociale, politique, économique, spirituelle des pays. Qui va t'aider à bien aimer par rapport à la population qui est toujours douteuse, fort par rapport à l'opinion. Et vous connaissez l'État ici, ça va juger. Qui va t'aider à bien aimer ça? Pour nous rendre, et puis m'ajouter, et si on pose un acte de sorcellerie, est-ce que ça va comment nous capable pénaliser nous à la ok. Premier, il y a deux codes pénales qui étaient proposés sous le président Jovenel. Alors que
gagne c'est sénateur Jean-Louis Messina qui s'est proposé. Dans le code pénal, ça, il était venu avec le tribunal pour juger Jean-Louis Cassal. C'est l'État, nous-mêmes, nous avons fait proposition. Nous avons fait proposition, l'État nous a pris une décision. Même Jean, en 2003, le président Jovenel a accepté sortir un arrêté pour légaliser vos droits comme religion ancestrale. Eh bien, c'est droit ça que nous avons fait, nous avons parlé là. Eh bien, nous avons continué à mener la bataille là pour que l'autre décret capable de sortir, pour que l'autre engagement capable de prendre pour retirer vos droits dans sa lia pour retirer la discrimination que vous avez sur le droit qui dit cette chambre. Quelle est la population et qui est prête? Oui, tout le monde est bien encore. J'ai acté mon peur. J'ai fait mon peur pour vos droits. Et nous seulement peur, ou est que, par ailleurs, même là c'est mon grand, nous ne pouvons pas même faire petit mon aïe, qu'on ait ça à faire. Et avec petit mon aïe, tout participer trop dans ça à faire dans vos droits. Je dis que nous avons pris conscience que j'ai envie de vous dire que vous êtes sale, vous êtes mal, vous êtes criminel, vous êtes sale. Ça, quand il est individuellement, vous êtes un criminel, vous êtes un crime, mais ce n'est pas vraiment vos doigts. Mon vos doigts vont être criminels, vrai. Vos doigts ne sont pas un criminel, vrai. Même quand je te dis que vous êtes un criminel, vous êtes un criminel. Vous êtes toujours bêté sur vos doigts. Et c'est ça qu'on a pour nous combattre, c'est retirer ça dans l'idée de nous que vos doigts soient très criminels. Vos doigts ne sont pas des criminels. Nous n'avons qu'à faire exprimer, dès que nous n'avons pas été dans vos doigts, dans vos doigts, dans vos doigts, que Dieu embrasse vos doigts. Non, vos doigts ne sont pas directement sur les criminels. Hein? Et c'est nous qui prenons le conseil. Et c'est ça qu'on a combattu pour nous faire connaître, qu'on y est, on va même bien. Et nous pas vraiment sensibles pour nous dire ah, si nous avons l'école de tel côté. Et si nous avons même si nous avons évolué, nous avons fait des ailes, nous avons évolué. Et ça nous fait, c'est de payer l'école de nous avons vrai. Qui est différent avec hier. Alors vous pensez que nous comprenons très bien que côté vos doigts sont côté pour aller pour l'école. Merci.